Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening. Aujourd'hui, on va voir ce qui va arriver dans la mise à jour qui arrivera quelques heures après la publication de cette vidéo. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, que ce soit pour les lives ou les vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description et me soutenir via Utip en regardant quelques pubs gratuitement, ce qui peut m'aider à améliorer le contenu de la chaîne. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet juste après ça. J'en profite pour annoncer que ce soir, petit live 7 Deadly Sins, live FAQ pour tous les joueurs qui auraient des questions auxquelles je pourrais répondre, tel personnage a augmenté ou pas, enfin voilà, vraiment un FAQ global sur le jeu, et également fêter les 2000 abonnés qui sont arrivés sur la page Facebook communautaire 7 Deadly Sins France, donc Grand Cross France même, le lien est en description, n'hésitez pas à vous abonner dessus, et à passer sur le live ce soir. Voilà, ceci étant fait, on va repasser directement au vif du sujet, et le vif du sujet ça va être la mise à jour. Donc la mise à jour, il y a pas mal de contenu dernièrement, c'était très très creux. Après avoir comment les choses vont se mettre, il y a un énorme pavé sur le Facebook Saint Seiya Cots qui concerne uniquement le Jamir, donc très très peu de joueurs au final, quoique ça va un petit peu changer. Alors déjà, la traduction est un petit peu bancale, donc on va vraiment essayer de dégrossir, et on verra in-game, dans une prochaine vidéo, ce que ça fera. Du coup, la maintenance, comme d'habitude, 6h-11h, si tout se passe bien. Personnellement, j'espère qu'ils vont régler tous les bugs qu'il y a sur le jeu, quitte à que la maintenance dure une heure ou deux de plus, je leur en voudrais pas si on n'a plus de bugs du pavillon, si on n'a plus d'autres bugs et qu'il n'y en a pas de nouveaux. Ce serait vraiment cool au jeu de régler ces problèmes de bugs. Tous les serveurs seront donc fermés, donc si vous ne pouvez pas jouer pendant cette période, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et ensuite, on va avoir du coup donc la célébration, invocation, le personnage S dans votre box, absent dans votre box plutôt, vous en avez un de garantie. Clairement, j'ai déjà fait une vidéo poule ou pas poule dessus. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire qu'il va manquer tout simplement un ou deux S, moi il me manque que Radamante, puisque les personnages SS ne sont pas considérés dans ce pool là, donc déjà il me manque Hades, c'est pas un souci. Et derrière, vous n'aurez aucune chance d'avoir Shakara Yashiki, Mayura, Seiya de la Flèche d'Or et Minos. Moi personnellement, si on enlève les personnages qui me manquent autres, c'est à dire les deux Chibi Saint et Hades, il ne me manque que Radamante. Donc quand je vais pool, si j'obtiens un S, je n'aurai qu'une seule chance, le premier S, ce sera obligatoirement Radamante. Je vous annonce clairement, vidéo pool à venir, dessus on verra si j'obtiens un S ou pas, avec le peu de gemmes que je vais mettre, parce que je vais pas craquer énormément. Ensuite, on aura un nouveau Saint de type A, disponible en événement. Il ne sera pas dans le pool, ni de base, ni dans la bannière. Ce sera Raimi Duvert. Raimi Duvert qui est un soigneur, qui marche un petit peu différemment. C'est-à-dire que Raimi, vous allez devoir mettre des marques, et ces marques vont vous permettre, jusqu'à 3 il me semble, de soigner Raimi et de soigner les autres. On reviendra vraiment sur Raimi en détail, à part. Il peut être très très intéressant, surtout si ses skills sont montés, et a priori pour le moment. Alors il sera disponible dans l'event, mais on n'a pas trop d'infos sur cet event. Est-ce que ce sera un event gratuit, un event payant? On était sur le live d'Ikana hier soir, et je sais plus quel viewer a dit « Oui, vous le voyez arriver, le Raimi, comme le skin d'Hades, comme le skin d'Hades, à 75€ le skin, je crois, quelque chose comme ça. » C'est une possibilité, j'ai pas du tout d'infos pour l'instant sur ça. Et du coup, on ne sait pas. Événement free-to-play, événement cash player, on verra bien in-game, pendant la vidéo mise à jour in-game. Mais clairement, Raimi peut être très intéressant, surtout avec des doublons. C'est un Saint de type A. Je pense que même s'ils ne le mettent pas dans le pool, ni de base, ni dans un pool tout de suite, ce sera remis dans un pool ultérieurement sans problème. Sachant que c'est un A, il ne prendra pas la place d'un S sur une bannière. On aura également le retour du PVP mêlée.
à la fin du mois, comme d'habitude. Ça, intéressant pour prendre des tomes bleus. Je vous conseille réellement de faire le PVP mêlée, quitte à prendre d'utiliser vos diamants pour prendre les annulations de défaite et vraiment d'aller chercher au moins les 6 victoires, puisque c'est là où vous obtiendrez le plus de récompenses. Et sans oublier, le lundi, même si vous ne pouvez plus faire vos combats, d'aller chercher vos tickets de PVP mêlée qui vous serviront pour le prochain. Ensuite, on va avoir une nouvelle difficulté dans le Titan 11 et les ruines épiques. Dans le Titan et ruines épiques, on aura donc le niveau 11. Donc ça, c'est un bon point. Ça va rejoindre le Dimension qui a déjà son niveau 11. On fera également des vidéos dessus. Ensuite, on aura double attribut bénédiction de réincarnation. Alors, à voir ce que ça veut dire, là in-game, parce que là, sur la mise à jour comme ça, je ne sais pas trop. On aura également le Mystery Mall qui reviendra pour la saison 3. Des nouveaux événements, donc la boutique de fin d'année, à voir ce que ça donne. Les scènes poupées, le palais du Zodiac, Aries Bless, et le modèle du rôle de Sanctuaire. Vraiment pas mal d'événements, a priori, qui vont pop dans les jours au fur et à mesure à venir. Hein, puisque là, on en a à partir du 18, et du 18 jusqu'au 24, à peu près. Donc tout ça va arriver directement et on regardera in-game. Le gros pavé de la mise à jour, ça va être l'optimisation du Jamir. Alors, il y a des bons points dessus, des moins bons points, je trouve, dessus. Clairement, les gros joueurs seront limités à 40 étoiles légendaires, ce qui va donner plus de chance à des joueurs qui n'arrivaient peut-être pas à se qualifier à y aller. À voir ce que ça donne. Hein, une fois dessus, il y a des changements. Déjà, le premier changement, ce sera qu'à partir d'avril, le temps d'inscription pour les rondes d'audition sera changé. Ce sera le premier de chaque mois, au dimanche de la première semaine. Ça veut dire que si le premier tombe un mardi, que le dimanche qui suit, vous aurez que ce temps-là pour rentrer dans les auditions de Jamir. Si le premier est un dimanche, ce sera reporté au dimanche d'après. Si le premier est un samedi, ce sera pendant 24 heures. Techniquement, ce sera comme ça. Ensuite, on aura donc les rondes d'audition qui ont changé. L'inscription manuelle est devenue une inscription automatique. Vous serez automatiquement inscrit pour participer au Jamir. L'élimination se transforme maintenant en semaine complète, donc on aura une semaine d'élimination complètement et plus à cheval. Les points initiaux de championnat de Jamir et maintenant une limitation, les joueurs obtiennent un maximum de points de base quand ils se lèvent jusqu'à 40 étoiles légendaires. Ce que je vous disais avant, on était limité à 40 étoiles. Ensuite, il y a quelque chose de pas très très bien traduit, mais une optimisation du jugement du nombre de déductions dans l'arène de la Sainte. Alors est-ce que c'est pas les déductions justement par rapport au PVP mêlée ou quelque chose comme ça. On verra vraiment une game pour ça. C'est pas très français la traduction et je la comprends pas. Description de l'article, support, maintenant l'affichage coulissant. Donc a priori on aura un affichage coulissant à voir aussi dans le support. Optimiser la fiche de match de l'arène galactique lorsque vous correspondez à Immortel 5 et au-dessus. Et au-dessus des adversaires, les adversaires se classent et les étoiles seront maintenant cachées. Si j'ai bien compris, Immortel 5, on ne verra plus les étoiles et le classement de l'adversaire. Ce sera caché pour permettre un petit peu plus de peut-être de bluff, de choses comme ça. Ça peut être intéressant à voir. Ensuite, on aura une optimisation de la fonction cachée des skins. Maintenant, si vous cachez le skin, l'avatar, le chevalier, sera également restauré au skill original. Donc, je vois pas ce que ça peut changer, à moins que ça soit à pousser plus loin pour le Jamir, c'est-à-dire que si on cache le skin, dans le Jamir, votre personnage sera de base et sera plus avec le skin. Je ne sais pas, peut-être pour permettre justement d'afficher qu'on a un skin. Avoir vraiment, il y a pas mal de petites choses qui sont compliquées dans la traduction, hein, comme je l'ai dit là. Mais du coup, en tout cas, il y a des améliorations, des changements, des events annoncés. Peut-être que le jeu va commencer à reprendre du poil de la bête, même si on n'est pas foufou sur ce qu'il nous annonce. Il y a quelque chose de tenté, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on a quasiment rien à faire sur le jeu. Ensuite, on aura optimisation de la question de la perte de connexion dans l'arène galactique. Si j'ai bien compris, si vous perdez par déconnexion, vous ne serez plus considéré comme perdant. Là où je trouve ça bien, c'est effectivement si vous avez un problème de connexion, que vous perdez votre match, ça vous mettait un petit peu dans le mal quand vous perdiez énormément de points. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que ça va permettre à beaucoup qui vont comprendre très rapidement comment le faire
de cheater, de se déconnecter s'ils perdent le combat et de ne pas perdre leurs points. Ce côté-là, je suis pas fan, ou alors il va vraiment falloir un énorme contrôle dessus pour éviter justement les tricheurs. Optimiser le rappel final de la médaille Saint. Alors ça, c'est pareil. On verra bien. Correction du problème qui ne peut pas augmenter la consommation cumulative en cas de déconnexion. Voilà, il y a pas mal de petites choses annoncées, mais vraiment assez compliqué. On verra après la mise à jour, en espérant qu'il n'y ait pas de bug, je le répète. Et la mise à jour sera dans 2 heures au moment où je publie la vidéo, et jusqu'à 11 heures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Raimi, qui arrivera, on verra dans son event, il peut être très intéressant, ne le sous-estimez pas, même si c'est un A. Et on fera pas mal de petites vidéos par rapport à cette mise à jour, qui me paraît un peu plus intéressante que ces dernières semaines. Donc on est peut-être sur une pente un petit peu, en voyant un petit peu optimiste, mais un petit peu mieux que ces dernières semaines. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour le jeu. Sur ce, on se laisse là. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.